Donc voilà. Là, si je parle bien dans le micro, ceux qui sont là. Merde. Voilà. C'est qui le bel émissaire? J'espère que ça va être un peu plus stable. Vous avez perdu la zone C. Vous avez perdu la zone A. Oh, allez, va chier quoi. C'est moi qui dois le foutre par terre, lui. C'est un truc de dingue ça aussi là. Qui doit le mettre par terre là, c'est pas du jeu.
Allez, vas-y, je me suis protégé, vas-y. Vas-y, je me suis protégé, c'est la haine. J'ai la rage, je me suis protégé. Verstappen, je suis dégoûté là, je suis protégé, ça m'énerve là. J'aurais jamais dû mourir. L'autre il pense qu'à ça lui. Alors là mon gars. Alors là mon gars, c'est pas ce que tu viens de faire là. Là c'est, je suis en mode rage là, tu fallait pas me gonfler mec. C'est pas ce que tu viens de faire là. Le hercir. Là, t'es pas mec. Je vais te défoncer. Ça y est, le gars il avait du poison sur sa petite lame. Là il peut pas le faire normalement là. Sans déconner là. Il a fait un tableau, sans déconner. Ah ça y est là, je connais un enchaînement. Voilà. Voilà, là, ah non, mais non, je suis pas d'accord. Mais l'autre il arrive encore dans le dos là. Ah putain, sans déconner. Quoi. Sérieux là. Ah
le mec. 2-5, 2-6, non mais t'es sérieux mec, ta sentinelle fait 2-6 quoi. Ah là 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 là. Ça fait peur quand même. Tu peux disquer le truc est nul. Vous avez pas pris un objectif. Vous avez pas pris un objectif les mecs là. Vous pouvez tiquer là, vous avez pas pris un objectif là. Sans déconner quoi. Un et deux objectifs quoi. Tu parles de joueurs de merde là, sans déconner. Allez jouer en escarmouche sans déconner. Hein. Les pauvres losers de joueurs quoi. Salut Aria, comment tu vas? T'as la forme? Qu'est-ce qu'il raconte Aria? Avec les mêmes losers. Oh là là là. Ça va bien, ça va bien. Tu sais quoi, tu bosses, t'es dans ton canapé, t'es tranquille. Sur le fort en altitude. Ça t'a pris plus cher mec. Emmerdé Orochité là. Les couilles Orochité là. GG Auréa level 3.
merci. Ah, il m'énerve, y'en a, il m'énerve là. Je le connais maintenant, je commence à connaître les persos. Y'en a qui m'énervent comme perso là, puis le Roshi, quand j'arrive à le battre, je suis content. Surtout avec émissaire quoi. Alors je vais rester sur mon coin là un peu là. Et ils ont baissé les gars, ils vont pas tarder à venir tout ça. Ils sont nuls les gens avec moi là, je suis avec des victimes du jeu quoi, en fait. No superstes. Allez, je connais que ça en fait, brise garde. Ah putain, et t'as vu le mec? Il m'a fait toujours le même coup. C'est pour ça que je déteste ces joueurs là. Parce que ces joueurs là, ils savent pas jouer là. Ils connaissent un coup, ils vont te faire à l'infini. Parce qu'ils savent que ça marche. Là, je suis avec des victimes, la Family Game. Là, les gars, ils savent pas jouer. Ah, mais sans déconner, quoi. Il y a un moment. C'est bien les vacances, mais bon, il y a tous les kikoulols qui jouent là. Qui connaissent même pas leur perso, quoi. Ça, j'y vois de plus en plus, quoi. Quand il y a les vacances, sans déconner, si je me prends des branlées quand il y a des vacances, quoi. Allez, Dégage-toi. Ah mais et, tu vois il m'a fait deux fois le même coup quoi le mec il sait pas jouer autrement quoi. Le mec il sait pas jouer autrement qu'à part faire une chope et te taper par dessus quoi. C'est tous les kikoulols de ce jeu là qui se donnent rendez-vous pendant les vacances là pour jouer comme ça quoi, sans déconner. Moi je vais arrêter de jouer au jeu multi pendant les vacances quoi, c'est horrible quoi. Regarde lui là, qu'est-ce qu'il fait sur ton arme mec, là t'arrives sur un point, il y a un gars quoi. Regarde il a déjà 3 quarts de sa vie perdu parce qu'il sort pas son arme le kikou là. Oh là là mais t'es qui toi? Ah mais il est qui le mec là? Mais c'est n'importe quoi, il joue avec qui là? J'avais pris une branlée comme ça de ma vie. Vas-y l'autre il joue avec ses javelots là, tu vois avec ta petite boue là. Allez va chier quoi. Il balance des cure-dents le mec là parce qu'il sait pas jouer quoi. T'as vu il se prend une branlée quand il se combat là, ça me pète les couilles ça. Regarde-moi ça là, faut tuer des mignons, alors ça y est, il y a toutes les victimes du jeu qui sont là quoi. Dégage quoi, t'es dans mon... Qu'est-ce qu'il fait? Il tape l'autre idiot! Petit idiot de Kensei là, mais putain, mais sale gamin! Sale gamin de Kensei, arrête de jouer là, va jouer avec tes Barbie là, sans déconner. Putain, sans déconner, le mec quoi. Et les mecs quoi, faut qu'ils arrêtent de jouer quoi. Va jouer avec tes Barbie pour branlo, va. T'as pas un autre jeu à jouer là, FIFA là, pour les noobs là, ou NBA là, gamin va. Family Games quoi, sans déconner. Jamais pris des branlés comme ça quoi, sans déconner, faut arrêter de jouer là. Putain. T'as pris zéro objectif, pauvre mec, là. Tu sers vraiment à rien, quoi. Grosse daube. Allez, je change de serveur, là, parce que je vais péter un câble, sinon. Pauvre noob, là. Putain, sans déconner, quoi. Ça t'as envie de jeter le jeu, t'as. Putain mais c'est pas vrai, t'as vu ça un peu là? J'ai jamais pris une branlée comme ça quoi, 100 à 1000 quoi, attends mais les gars ils jouent pas quoi, genre les gars ils connaissent même pas les touches de la manette quoi, tu sais ça va être des gamins de 3 ans et leur père laisse jouer à Fort Honor quoi, faut rater quoi.
Ou c'est des idiots du village, quoi. Qui ont eu un petit peu d'argent pour s'acheter une console en début de mois, là, sans déconner. Je suis tombé sur tout le serveur comme ça, quoi. T'as vu la branlée, quoi? J'ai jamais pris une branlée comme ça depuis que je joue, quoi. Tu vois bien que c'est des gamins, quoi, sans déconner, quoi. 1000 à 100, quoi. Non, mais un truc de dingue, quoi. Le gars il arrive sur un point là, le point C, il sort même pas son arme alors qu'il y a quelqu'un sur le point quoi. Oh là là, mais merde. Ah, j'ai dégueulé quoi, tu vois, des qui dans ce jeu, quoi. Oh bah tu vois l'équipe qu'on tombe en face quoi, non mais ouais, c'est bon. Les gars ils jouent ensemble depuis le début du jeu, tu sais, et puis moi je tombe avec du coup alors depuis le début là. Avec le spamassin là, qui va m'emmerder là. Ah, c'est ça le problème quoi, des vacances scolaires quoi. C'est bien pour les gens qui ont des vacances, mais bon, ça te ramène tous les joueurs casual qui jouent juste pendant les vacances scolaires parce que leur papa et leur maman les autorisent pas quoi. C'est ça le problème des vacances. Donc les gars ils savent même pas jouer quoi. La capture A, c'est déjà pas mal. Je vais aller voir un peu sur C là. Ah, ça y est, voilà, je suis plus dans l'ordre. Ça va tout seul. Bien joué. Regarde, j'ai rien fait. Comment ça, je suis mort? Ah, je suis mort avec son petit sang. Des petites lames de merde, hein, sans déconner. Merci. Voilà. Salut, Gamer Girl. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais vas-y, vas-y, ça lui a rien fait. Merde. Oh là là. Hé, hey, dégage. Pas compris que tu gênais là. Le mec il a pas compris qu'il gênait quoi. T'es dans mon atmosphère et puis le gars il m'emmerde. Là je suis en mode rage là, alors faut pas me faire chier là. Je sais pas s'il va bien apprécier, d'ailleurs j'ai foutu dans le vide, mais bon je m'en fous. Hein. Chacun sa vie. J'ai perdu la zone C. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur C? Ouais, on va aller voir sur C s'il fait beau. Hello gamer girl. How are you, man? Ah bien sûr, pourquoi lui? Ah bah chier, dégage, dégage. Oh, putain, lui par contre il a pas. Ah bah oui, forcément. Forcément, tu sais, ils sont à deux sur moi. Forcément, forcément. Oh là 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 là. Comment il joue là? Viens mon pote, je suis là maintenant.
Merci vieux. Eh bien on va aller les toller sur A. Ça lag en tout cas, parce que ça va pas tenir longtemps le serveur. Voilà. Prendre B. Pas de battre, et ben moi je m'en vais pas. J'ai une crème de la vie. Ok, il veut pas se battre, et ben bats-toi pas, mec, hein. Je vais pas t'emmerder. Hein. Je sais pas, le gars il refuse le combat parce que t'es en vengeance, ben refuse, hein, mais. Ils ne sont pas de taille face à nous. C'est lui en plus là. Oh là, 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 là. Je vois si je peux pas accélérer la vitesse de rotation de la caméra, parce que c'est super lent. En fait. Qui c'est qui balance des flèches là? C'est le bouchier ça. Je tombe dans le vide quoi. Oh là là, on tombe tous dans le vide et la spadassin quoi le reste. Donc t'es sérieux là? No, no, nobody, I don't play with viewers, sorry. When I stream in, I don't play with viewers. But thanks anyway for the invitation. L'autre elle a tout mis là, elle a tout mis, elle a mis la machine, le truc, enfin tout, on a tout pris dans la gueule. L'autre la noble sort. C'est pénible, c'est pénible ces gens là qui font rien. No, no, I don't care, man. I'm doing for pleasure, man. Ouais, bien sûr. Don't win by always.
We switch though, I don't care. I don't have money, we switch. Oh, d'accord. I'm just streaming for my friend and to have fun with you guys. Speaking video games. Speaking about video games and so. I like to speak with all the gamers in the world. Vraiment mort. En fait les gens qui viennent me voir sur Twitch, ils doivent savoir que j'ai pas besoin d'amis en fait. Je stream pas pour avoir des amis pour jouer avec. Si je joue avec des gens, je joue quand je joue avec des gens quoi, en fait. Je stream juste pour mon plaisir personnel là. Et celui des gens qui, et celui des gens qui me suivent en fait. Je reste avec elle là, au cas où. Nice. Et ben voilà, on a gagné. C'est cool. En fait, les gens ils croient que c'est en jouant avec eux que je vais gagner des followers, des machins comme ça. Non, non, je m'en fous un peu quoi. Je serais à 5 followers, ça ferait pareil. Je fais ça pour mon plaisir à moi. J'ai ma chaîne YouTube. Voilà, tu vois. Tranquille, je gère ma petite life quoi. C'est mon plaisir personnel. Puis quand je joue avec des potes, tu vois, bon, ouais, je joue avec des potes, quoi, mais là, je joue tout seul quand je suis... je joue tout seul quand je suis en stream, de toute façon, donc voilà. Ça me pose pas de problème. N'est-ce pas Eroya? Les gens ils viennent te voir et puis ils font ouais tu veux jouer avec moi mais attends j'ai pas besoin de te Twitch si je veux jouer avec des potes quoi. C'est un peu triste quoi. C'est un peu triste le gars qui a besoin de Twitch pour trouver des gens avec qui jouer quoi. Moi je trouve ça super triste en fait. J'ai pitié de lui en fait. Plus qu'autre chose.
Oh, je suis tout seul. Sympa. Ouais, si j'ai besoin de jouer, si j'ai envie de jouer avec toi et Roya, ben quand on joue ensemble, j'ai pas besoin de twitcher ou de streamer pour jouer avec toi en fait. T'invite et puis t'es là, t'es pas là, tant pis, je joue tout seul, hein. Ouais, là, de toute façon, un peu le jeu vidéo, c'est un peu un plaisir personnel, hein, donc à la base, voilà, c'est plus un plaisir personnel, donc j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'arriver sur un stream pour dire tu veux jouer avec moi, quoi. À vos questions, jamais je suis allé demander à un streamer de jouer avec moi, quoi, en fait. Ouais, je veux pas attendre que le gars fasse une vidéo YouTube ou un truc pour avoir envie de jouer avec lui. Quoi. Ouais, j'ai joué à Rise. Il m'énerve, lui. Ouais, j'ai joué à Rise, j'ai vu le début, genre. C'est un des premiers jeux que j'ai vu sur la console, en fait. Il est bien, hein. Ah bah oui, j'avais besoin d'aide, hein. Mais si tu veux, quand tu joues à... Quand t'as joué à... Comment on appelle ça? Quand t'as joué à... T'as joué à For Honor et tu retournes sur Rise. Salut Brian. Quand t'as joué à For Honor et tu retournes sur Rise Son of Rome, tu te dis waouh, la différence de gameplay, quoi. J'y suis retourné là quand ils l'ont donné gratuitement, j'ai dit tiens, je vais aller faire un petit tour et puis finalement tu joues 5 minutes et puis tu fais non, t'as joué à For Honor. L'autre il m'a eu un peu par derrière, un peu la traite quand même. Après le système d'arène et de colisée dans Rise of Son of Rome, il est bien, hein. J'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. J'aime bien quand les arènes, mais je trouve les chargements tellement longs, quoi. Non, je l'ai repoussé, c'est pas juste.
les chargements, tu imagines quand tu joues en arène, en multijoueur, c'est tellement long. Bon, le problème c'est que tu vois, tu auras un jeu gratuit, tu auras un jeu gratuit comme ça, comme Rise, et ben tu vois, t'as, ben, t'as des gens qui maîtrisent pas le jeu, quoi, alors ils se mettent en survie et puis voilà, ils font n'importe quoi. Alors qu'il y a quand même des techniques à faire, quoi. Même en survie. Ah mais putain, deux fois qu'il me pousse, qu'il... lui genre je sais faire ça en fait, hein. Il a vu un trou, c'est je pousse dedans quoi. Bon, bah, d'accord, je vois que tu veux réagir comme ça, bon, on va faire pareil hein. Voilà, un autre trou, il a poussé le mec dedans quoi. Sérieux quoi. Bon allez. Motivé, motivé. Oh là là, mais il me one shot le mec quoi. Et l'autre il me regarde me battre quoi, mais c'est quoi ce qui coulole là avec sa perruque de vieux con là. T'es sérieux là. Regarde pour qui il se prend ce sentinelle là. Regarde-moi ce noob. Il est sérieux le mec là. Sans déconner quoi. Il y a de ce qui coule là. Et attends, ça se voit que c'est les vacances quoi. Depuis 3 jours je pète un câble moi. Allez, qui coulole qui joue à ce jeu quoi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait derrière? Mais il me regarde mourir le mec quoi. Mais ça, c'est quoi? C'est une vie ou quoi? Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, d'accord. Bonjour mademoiselle, comment ça va? Ah!
piège. Oh l'enfoiré. J'ai pris cher, mais c'est pas grave, on s'est débarrassé du. On s'est débarrassé du yard là. J'ai perdu, mais on s'en fout, de toute façon on a tellement d'avance, c'est mort. On lui a fait perdre tout ce qu'ils veulent. Comment ça, il est pas. Comment ça, il est pas tombé? Mais il y avait un mur là? Mais n'importe quoi! Comment ça, l'autre il est pas tombé? Non, mais alors là, faut arrêter quoi. Comme par hasard, mes trois joueurs ils déconnectent. Du moment de la fin, ouais. C'est bon. Merci, putain, sans déconner. Ah, ça me pète les ruches. Là, je trouve ça dégueulasse que tous tes alliés déco quand tu vas gagner quoi. Ça me pète les couilles ça aussi là. Comme par hasard, voilà, on va perdre. Comme par hasard. Il reste les deux gars en face comme par hasard aussi. Tous mes alliés ils ont déco là. Y'a pas un souci là? D'épaule machin. Oh bien joué le contre. Et voilà. C'est mort. Comment se faire torcher à cause des serveurs de merde d'Ubisoft. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Les gros serveurs de merde d'Ubisoft qui servent à rien. Voilà. Et l'autre il est divin, il arrive dans la game, il fait 16-2 quoi. GG. GG Ubisoft, merci. Tout pourri, tu vois. Serveur Ubisoft quoi. Regarde, je dis même pas GG, c'est tellement nul quoi, à un moment ou à un autre, le gars il gagne grâce au serveur quoi, super, on les défonçait quoi, puis d'un seul coup les serveurs ils clashent, comme par hasard eux ils restent, et voilà, c'est comme par hasard, hein. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais comme par hasard eux ils restent et tous mes potes ils s'en vont là, tu sais, les potes avec qui ils ont gagné, comme par hasard, je veux rien dire, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. C'est pas la première fois que ça m'arrive quoi. Comme par hasard, ils se prennent une branlée et comme par hasard, tout le monde déco sauf les deux autres d'en face, tu vois. Il y a un petit hasard quoi. Je sais pas si c'est un hasard, mais bon, comme par hasard, le hasard fait bien les choses pour eux en fait. Des fois, c'est un peu pénible ça quand même. Hein. Alors.
Quand il veut, il nous trouve une partie là. Moi, le hasard, il fait rarement bien les choses pour moi, tu vois. C'est un truc. J'aurais pas dû mettre ça. Bon, c'est pas grave. Il va pas rester le coup avec Savage, c'est pas possible. S'il reste avec moi, là là on va gagner la game, c'est pas possible, on peut pas gagner la game en fait. Tellement de kick ou lol qui rage kick défaut qui sert à rien, il rage kick ça sert à rien, parce que tu gagnes rien, tu gagnes pas de disco, tu gagnes pas machin, t'as perdu ton temps quoi. Rage kick ça sert à rien, à moins que dès le début, ouais, dès le début, dès les 10 premières secondes, tu peux rage kick. Ouais. Les gars qui rage kick au bout d'une minute, enfin 10 minutes, même 3-4 minutes, ça sert à rien. Fait tuer et puis t'attends la fin et t'as ton XP et t'es ton XP et puis voilà. Mais les gars, je sais pas, il y a des gars qui jouent le ratio aussi sur le jeu, j'ai vu ça, c'est quand même assez hallucinant quoi. Je sais pas que c'est que j'ai vu en face, il y a quoi comme race on va dire. J'ai résisté autant que j'ai pu, hein, mais c'était pas facile. C'était pas facile du tout. 108, le gars en face. Toujours le petit Orochi qui va te faire chier. Orochi te fait chier, c'est normal. Alors voilà. Voilà le gars. Voilà les bons joueurs qu'on a là. Regarde-moi ça là. Le gars il est 108. Regarde. Il joue pas. Eh, tu joues, mec? Alors le gars, voilà qui sert à rien. Un kick ou lol encore une fois. Voilà, un booster. Et s'il tient pas à son ratio, hein. On peut le tuer en 10 minutes. Quand même, tu joues? T'es sérieux de pas jouer là, espèce de bouffon là? Tu tiens à ton ratio, mec? Moi je vais te défoncer. Hein. Ou dégage, hein, c'est rage kick, mon pauvre rigolo. Va. Je vais te défoncer, mec. Il est où? Il est où l'enfoiré là de...
enfoiré de booster là. J'ai fait pour ta gueule, t'es mort comme un chien là. Pauvre nul. C'est bon, quand la vengeance elle s'en va, ça t'a perdu. Et voilà, voilà. L'autre il m'annule ma... mon exécution quoi. C'est quoi ces exécutions à deux balles là? Sans déconner, l'exécution du machin. Ah, vas-y, soulève-moi, mais lui il a le temps de m'exécuter, voilà, il a le temps de faire ça. Sans déconner quoi, putain, moi jamais. Non mais putain, mais je joue avec qui là? Pour l'autre idiot de Blue Eyed Savage là, qui boostait là comme un con. Dans les trois quarts de la partie là, c'est enculé va. Sérieux là? Noobie. Pauvre noobie va, t'es prestige combien toi? La honte de ta vie, pauvre blaireau va. T'es suédois quoi, t'étais pas sous le camion, c'est dommage quoi. T'en déconner quoi. Noobie va. Putain, ça cause des gens comme ça qu'on perd toute la journée, c'est pareil, toute la journée. Dans tous ces jeux multijoueurs, toute la journée, tu tombes sur des nuls, des noobs, des boosters, des tricheurs. Quel intérêt ils ont à jouer ces gens-là, quoi. Comme ça quoi, ça devient pénible à force hein. La mentalité des joueurs quoi, mais sans déconner tu devrais pouvoir les faire bannir à vie ces mecs là, ils méritent pas de jouer dans le jeu vidéo quoi. Putain, moi je serais joueur je serais développeur Xbox One, mon pauvre il prendrait cher hein, les joueurs comme ça. Ouah, m'en fous moi, tu sais, un de moins ou un de plus ou un de moins, j'en aurais rien à foutre franchement. Cher moi avec moi ces joueurs. Putain que ça me pète les couilles quoi. T'as envie de faire caca, et bah tu lances pas du multi quoi. Ou tu quittes à faire chier le monde quoi. C'est réveillé l'autre berserker quoi. Il pétait les roustons là. Allez dégage. Sérieux là?
Comment ça, je suis mort? Pas me défendre, je pourrais rien faire par contre. Il y a des gens, tu les prends dans un coin, les gens ils sont immortels quoi. Moi je me protège, hein, je me protégeais là. Mais non, tout passait à travers. Je sais pas ce qu'il avait. Je tiens à remercier quand même le Berserker quand même qui nous a bien lâché. Il a attendu qu'on soit à 970 pour jouer, tu vois. Le mec bien nul, hein, bien inutile. Je te remercie mec, t'es trop bon en fait. Le mec il a attendu qu'on soit à 970 à 50 pour commencer à jouer quoi quand même. Chapeau. Vive la Suède. Vive la Suède. Il va faire la même là. Tu vas nous faire la même, sauf qu'il va être en face cette fois, mais il va jouer, tu vois, il va mettre une branlée alors qu'il sera en face, tu vois. Tu vois le genre de gars quoi, tu vois. Il fume ta partie là. Et puis là, il va rejouer là. Mais par contre, il va jouer. Mais contre toi. Hein. Là, t'es pas prêt de gagner. Hein. Ça devient pénible ces joueurs là. Le mec qui joue avec toi, il a FK toute la partie, tu sais. Et puis il se réveille à la fin pour perdre là. Puis là, il va être contre toi. Et puis hop, il va être là par contre. Bon, Even Maze là. Deutschland. Go, ready, buddy. Come on. Le mec quoi, putain, c'était encore un booster. Ouais, c'est bon, il est en face, tu vois, pas cette fois-ci, il est en face, il va jouer l'autre là. Il va nous mettre une branlée, il va être content quoi. Parce qu'il t'a fumé la partie d'avant, puis la partie après il va jouer, tu vois. Voilà. Mais il est plus avec toi cette fois. C'est tout fort au nord quoi. Regarde. Ah, ils vont jouer maintenant, les gars là. C'est. Allez, à fond, hein. Là, on a trois assassins en face. À croire que. À croire qu'il y a des assassins dans ce jeu. Hein. Les développeurs ont bien fait leur boulot. Encore une fois, ils ont rendu une classe. Invincible, et même si tu l'aimes pas, toi, bah t'es obligé de l'apprendre parce que sinon tu prends des branlées à longueur de journée. Voilà. C'est typique des développeurs maintenant d'aujourd'hui. Faire des trucs, des jeux complètement déséquilibrés. Et même s'ils sont bien à la base, quoi, ils arrivent à t'en faire une merde. Hein. T'as pas les serveurs, t'as pas l'équilibrage des joueurs, t'as rien, quoi. Un jeu bien et t'en font un jeu nul en fait. Voilà en fait. C'est le problème. T'as vu là, il joue là d'entrée là. Là il joue là le suédois là, hein, là il est vénère hein. Il a pris de branler la partie d'avant mais il était avec toi cet enculé là. Ah ça y est, regarde-moi l'autre là. Putain. Eh néo-zélandais là, au lieu de te payer des flammes là, achète-toi des armures sans déconner quoi. Le mec il se paye des flammes avant de s'acheter des armures quoi, mais le gars il a tout compris au jeu en fait. Le gars il s'est payé le truc élite, machin et truc, mais par contre son joueur il est à chier par contre, tu vois.
Ah, c'est les gens de nos jours, quoi. Faut avoir une belle gueule plutôt que d'être intelligent. Vas-y, Blue Eye, bah, tu joues là. Hein? Tu joues maintenant, hein? Hein, c'est facile, hein? C'est bon, c'est la passe. Il pète les couilles là. Là, lui il va péter les couilles. Dégage toi. Ah putain, mais sans déconner, regarde. Je suis même pas aidé, mais l'autre idiot là, il est arrivé par derrière quoi. L'autre idiot, il est arrivé par derrière, il avait pas été capable de mettre un coup au mec quoi. Et je suis pas aidé quoi, mais je... Alors, à croire que tous les bons joueurs ils se mettent ensemble en laissant tous les nuls de côté. Alors pour eux, la vie c'est ça en fait. Tous les bons joueurs ils se mettent ensemble et toi t'as tous les nuls qui savent pas jouer, qui lancent le jeu comme ça et puis qui se retrouvent dans les serveurs avec les contre les bons quoi. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Que des nuls en fait. Regarde l'autre, il est vénère. No super. Allez, regarde-moi les deux berserkers là. Oh là là, mais ils s'en donnent en cœur joie quoi. Mais qu'est-ce que tu veux, je joue avec des fantômes aussi là. Je joue avec des fantômes quoi. Je te fais, allez, c'est parti. Là, là, attends, le Venom là, 6-2, mais sans déconner quoi. Je joue avec des fantômes quoi. Moi je suis tout seul sur A quoi. Les gars, ils en ont rien à foutre de prendre des. Tout seul sur C, les gars, ils en ont rien à foutre de prendre des points. Voilà, ils pensent qu'à faire du kill. Et bah ouais, c'est cool, la vie est cool quoi. Allez, on escarmouche les mecs hein. Voilà, ils sont 4 contre le mec le bleu chez moi là, ça leur fait du bien en fait. Ça les occupe, pendant que moi je prends les points. Voilà. Ah, ils auraient su le tuer quand même. Vous avez perdu la zone A. Bien. Ah, l'autre, il a massacré les trois. Hein. No mercy, hein. No mercy. Je massacre les trois, rien à foutre. Le tout à l'heure, il a pas joué. Il nous a fait perdre la partie parce qu'il nous a carrément fait perdre la partie. Hein. J'ai pas peur de dire, il nous a fait perdre la partie parce qu'il jouait pas. Et là, maintenant, il joue et puis il est en train de carrer la game, voilà, pour les autres, hein, bien sûr. Moi, j'étais avec lui, il jouait pas, hein, ça, c'est normal. Hein. Il a dû dire, tiens, il y a Mégalarage, c'est le plus fort, on va le laisser gagner. On va laisser carrer la game. Et toi, tu dégages, déjà. Ah, vas-y, va chier. En plus, le gars, tu vois, il vient. Ah, la blaireau. Attends que j'arrive, toi. Toi, mon gars, tu vas finir dehors, hein, je te le dis. Bouge pas, j'arrive, mec. Occupez-vous des victimes de mon équipe, là, les gros nuls là qui savent pas jouer dans mon équipe là. Et moi je vais m'occuper de toi. Parce que j'appelle ça des gros nuls. Hein. Ah, voilà, des victimes de la vie.
Regarde, 1000 à 1000 à 600 quoi. Oh là, putain, la misère quoi. Regardez-moi la misère ces joueurs. Quoi. Et de 1, voilà. Le gars qui faisait ouah, c'est parti, bah il a pas fait long feu. Allez, de 2, voilà. Et de 3, voilà, maintenant ils vont venir chercher maintenant. Voilà. Toi mon gars, tu fais rien pour attendre. Allez, viens là, le ouah ouah là. Ah là, il est content, il a fait son enchaînement. L'enchaînement, bien sûr, tu peux pas arrêter, hein, c'est normal. Droite, gauche, moi je défendais droite, gauche en haut, mais pff, moi ça faisait rien. Hein. Je sais pas, il doit avoir une latence à peu près de 18 secondes entre ce que je fais et les coups que je prends. Donc forcément, félicitations, 12-0 le mec. Mais non, mais tout va bien. Le jeu est vachement équilibré. C'est bon, t'as joué, t'es content le suédois là, hein? Tout à l'heure t'as fumé la game et là tu m'as niqué ma game aussi, t'es content là, pauvre suédois de merde là. You suck, Blue Hate Savage, you really suck. You just fucking noob. Come on, t'as vu le gars comme il s'est barré? Il a vu ce qu'il avait fait là, c'est une grosse merde. Grosse merde. Grosse big scheisse. Putain, sans déconner quoi, tu jouais avec les joueurs mais t'as vu la gueule des joueurs quoi. Mais le matchmaking n'est pas prêt, c'est moi qui le lance quoi. Il est con ce jeu aussi là des fois. Le matchmaking n'est pas prêt quoi. C'est moi qui lance le matchmaking, il peut pas être prêt. Hein, ma console est. Même ma console a de la latence quoi, t'as qu'à voir le jeu quoi. Salut Bibouche. Oh mais c'est pas des glitchers, non mais c'est des. Voilà, c'est moi je comprends pas en fait. Je comprends pas ce jeu des fois. Au niveau du. La latence, voilà. Voilà, une erreur s'est produite, retour au menu principal, alors que j'étais dans une game hein, quand même. Au niveau de la latence, tu vois, moi je me protège, hein, vois, je vois un truc rouge à gauche, je mets mon joystick à gauche en appuyant sur la gâchette, quoi. Et en même temps, tu vois, je fais le job. Ah mais le jeu il répond pas, quoi. Mais c'est pas la première fois que je vois ça, hein. Y a pas, c'est pas une sorte de stream ou de n'importe quoi. C'est... Même quand je suis tout seul à jouer, toi, ça, des fois je fais ça, bah, j'ai l'impression que les coups ils sont imparables. Tu peux pas les parer de toute façon. Le jeu a décidé que tu mourrais, donc tu vas mourir en fait. C'est comme quand tu balances un mec d'un machin, le jeu il a décidé que le gars il va aller pas sortir parce qu'il allait se cogner un pied contre un bout de mur, il va pas sortir, hein, alors que les 99% du reste de son corps sont dans le vide, hein, mais lui, il a le petit pied qui touche le mur, hop, il sort pas le mec. Et par contre, toi, quand ça t'arrive, toi, tu rebondis contre le mur et tu vas dehors, hein, ça c'est 100% garanti. Alors, il y a des moments, voilà, je me pose ces questions. Est-ce que ce jeu est bien équilibré? Est-ce qu'il est déjà bien fini? Moi, j'ai des gros doutes, hein, quand même, ça fait... Je pense que les bêtas, les machins, ça a été fait juste pour faire plaisir aux fans. Je pense que ça n'a rien résolu, parce que le jeu, il n'a pas changé, hein, par rapport à la bêta. Faut pas rêver, les gens. Quand il y a une bêta... Le jeu ne change pas, il ne changera jamais. Hein. Le jeu que vous verrez à la bêta, c'est le jeu que vous aurez définitif. Hein. J'ai fait tellement de bêta, je me suis tellement de fois rendu compte que c'est le même jeu. T'as pas de différence. Tu fais une bêta, t'as le jeu définitif, c'est le même jeu. Hein. Donc faut qu'ils arrêtent avec leur bêta. C'est des démos, tout simplement, des démos multi, des démos ce qu'ils veulent. C'est des démos. Sauf que bon, le jeu est pas complet, bien sûr. C'est des démos, comme toutes les démos. Non mais le jeu a été déserté, c'est parce qu'il y avait énormément de problèmes de matchmaking. Maintenant il y en a beaucoup moins. Le jeu il a toujours été comme ça. Le jeu au niveau d'équilibrage, il a toujours été pourri. Pendant la bêta il était pourri. Encore parce qu'il n'y avait pas de haut niveau comme ça, parce que c'était une bêta. Mais pendant la bêta c'était pourri, il y avait toujours les mêmes problèmes au niveau de l'équilibrage des joueurs.
plupart des classes. Par exemple, les samouraïs ont toujours été plus forts que le reste. Hein. Et puis ça restera toujours pareil. Et c'est voulu. C'est voulu par les, voilà, par les. Alors, quand ils disent qu'il y a 30% des joueurs qui prennent Orochi, ouais, et ils n'ont pas réglé le problème. Orochi, il est toujours Orochité, quoi, tu vois. Ils n'ont pas résolu ce problème-là. Par contre, Spadassin, ils l'ont bien renforcé, tu vois. Pour que les jeux... Il y a un autre perso cheaté, quoi. Ils vont dire, ah, mais non, mais Orochi est cheaté, mais il y a Spadassin aussi maintenant qui est cheaté. Puis ils ont fait cheater Valkyrie aussi. Valkyrie, ils ont dit, il faut que tu tapes un peu plus vite, parce que des fois, il n'était pas assez chiant déjà avant. Moi, j'avais joué contre lui dans la bêta et tout, il était chiant. Mais ils ont dit, mais non, il va pas assez vite. D'accord. Et je pense que plus ça va aller. Voilà, alors là ils se sont rendus compte un peu de leur connerie, ils ont dit dans le prochain patch on cheatera un peu moins Spadassin, mais ils ont pas parlé de Valkyrie, ils ont pas parlé d'Orochi, ils ont dit tiens émissaire c'est une grosse blouse alors on va lui donner des coups un peu plus forts, mais qu'est-ce que c'est un fou des coups un peu plus forts, si tu mets 3 jours à les mettre, tu prendras toujours des branlés contre les Orochi et les autres quoi. Là, qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Tu vois bien que l'autre il sert à rien aussi là. Alors voilà, il y a qui se barre. Voilà, et le jeu a pas été vraiment déserté. Disons que voilà, il y a que ceux qui. Donc il y a eu tellement de jeux qui sont sortis aussi en même temps qu'à l'époque. Voilà, les gens ils ont eu le choix. Il y a eu Ghost Recon juste après, il y a eu plein de choses. Donc je pense que voilà, c'est pas... il a été déserté, bon, parce qu'il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'il a été déserté. Pas forcément les serveurs, les gens qui ont aimé le jeu, ils sont restés. Hein. Comme moi, je suis resté, hein. Enfin, je suis prestige, je suis réputation 37. Je suis resté parce que bon, le système j'aime bien, mais enfin, qu'il y a plein de choses à régler, que tant qu'ils n'auront pas réglé, ben, ça sera là. Du skip. Oh, merde. Je vais pas t'aider mon pote. Bon, lui il tue des minions, ça l'occupe. Pourquoi un truc aussi. Pourquoi quand les gens ils sont en vengeance, moi les gens ils sont immortels. Et pourquoi quand moi je suis en vengeance, je prends deux coups. Voilà, il y a un truc comme ça, je veux savoir. Il y a des moments où ça a besoin d'éclaircissement quand même. Parce que je suis pas n'importe qui, je suis l'émissaire. Hein. Et les gars, des fois ils ont l'Orochi, ils sont en vengeance. Les gars, ils sont immortels. Tu les bourrines de coups, ils meurent pas. Mais toi t'es émissaire, t'es censé avoir une super défense, t'as une armure de dingue. Et en vengeance, tu prends deux coups. Regarde le gars là, il a deux petites haches et puis moi j'ai une hallebarde de deux guedins. Il a fallu lui bourriner la gueule quand même, le gars était en vengeance, on était deux et lui taper avec des haches de dingue quoi.
Et le mec il meurt pas quoi. Ton allié est mort. Voilà moi. Bah je vais aller prendre le poids. L'autre là, il est immortel avec sa poche d'hôpital là. C'est un truc de dingue. Pourquoi on est en déroute là? Ah d'accord. Ouais non mais là, c'est la totale, c'est la lue quoi. La lue totale quoi. Il y a 10 mètres quoi, 10 mètres du vide quoi. Vas-y. Bravo. Et l'autre là il fait n'importe quoi, là fait pas des attaques de zone. Putain, faut que je t'apprenne à jouer avec Kensei mec là. Et à vous t'acheter une tenue mythique, achète-toi des fringues déjà. Oh les mecs quoi, putain, faut que je t'apprenne à jouer avec Kensei quoi. Regarde-moi ça, t'es trop loin pour taper, tu vois pas que t'es trop loin mec. Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi là? Putain les mecs quoi, mais il sait pas jouer les mecs quoi. La lutte totale. C'est pas grave.